Monsieur le sénateur, madame et messieurs les conférenciers, distingués invités, au nom des Congolais réunis au sein de l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo et au sein du Conseil national de la résistance congolaise, je voudrais avant toute chose remercier monsieur le sénateur Olivier Henno qui nous a spontanément offert son parrainage pour l'organisation de cette rencontre politico-culturelle au sein de ce prestigieux cadre du Palais de Luxembourg. Je salue donc ici sa grande ouverture d'esprit. Car cette rencontre nous permettra, je l'espère de tout mon cœur, d'échanger nos vues et nos analyses sur la situation politique dramatique qui menace l'existence même de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Je remercie ensuite les éminents conférenciers qui ont accepté notre invitation pour venir apporter leurs analyses et leurs suggestions avisées au sujet de la crise multidimensionnelle dans laquelle notre pays, la République démocratique du Congo, est plongé depuis bientôt 23 ans. Je voudrais enfin saluer et remercier tous les invités qui ont bien voulu surseoir un moment à leurs nombreuses occupations pour venir participer à cet échange que je souhaite fructueux sur les interrogations, les inquiétudes, voire même la colère qu'ont suscité les dernières élections qui viennent de se dérouler dans notre pays dans des conditions pour le moins rocambolesques. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, distingués invités, en l'espace de 13 ans, la République démocratique du Congo a connu 3 élections à échelon national. En 2006, en 2011 et récemment en 2018. À chaque échéance électorale, on a promis au peuple congolais que les élections démocratiques mettront fin à la spirale de sa descente aux enfers qu'il effectue depuis son invasion en 1996. Mais l'histoire montre qu'après chaque échéance électorale, la crise congolaise n'a fait que s'empirer. Et la condition sociale et sécuritaire du peuple congolais ne fait que se détériorer chaque jour qui passe. Mesdames, messieurs, partout dans le monde, lorsque une femme est violée, c'est toute l'humanité qui se mobilise. Mais en République démocratique du Congo, le viol d'une femme congolaise figure plutôt dans la rubrique des chiens écrasés. On a, au contraire, gratifié notre pays du titre scandaleux du capital mondial du viol. La communauté internationale a même honoré un des fils du pays, Dr Mukwege, pour ne pas le citer, du prestigieux prix Nobel de la paix. Et pour son excellent travail, on l'a baptisé du drôle de sobriquet de réparateur des femmes. Mais au-delà de ce titre peu honorifique pour la femme congolaise qui est assimilée ici au véhicule accidenté, personne ne se donne la peine d'identifier ni de neutraliser ces barbares qui causent autant de dégâts aux dizaines de milliers de femmes congolaises depuis 2 décennies. Face à tous ces malheurs, on promet aux femmes congolaises et au reste du peuple congolais que les élections démocratiques, transparentes et apaisées mettront fin à leurs enfers. Mais rien n'y fit. Les élections de 2006 ont été émaillées non seulement de fraudes flagrantes, mais aussi
de violentes et sanglantes batailles militaires avec des armes lourdes au cœur même de la capitale congolaise. Les élections de 2011 ont été organisées dans des conditions plus médiocres que celles de 2006. Le degré de fraude a été encore plus flagrant au point qu'il a provoqué la colère populaire et conduit à des revendications populaires pour réclamer la vérité des urnes. Ces mouvements de masse se sont soldés, on s'en souviendra, par un bain de sang à travers le pays. Et voilà que pour la troisième fois, en 2018, malgré les promesses de la communauté internationale garantissant au peuple congolais des élections réellement démocratiques, ce scrutin du 30 décembre 2018 a plutôt battu tous les records de la médiocrité, des irrégularités et de la fraude. Mesdames, Messieurs, partout au monde, là où on parle de la démocratie, il y a le respect de la volonté du peuple en tant que souverain primaire. Mais en République dite démocratique du Congo, le peuple congolais se contente seulement de déposer son bulletin de vote dans des urnes avec l'intention d'élire ses dirigeants. Mais le tout s'arrête là, car malheureusement, d'autres personnes se chargent de proclamer vainqueur leur propre candidat grâce aux opérations frauduleuses concoctées dans des officines secrètes loin de la volonté du peuple. Ainsi, le peuple congolais vote toujours devant les caméras du monde entier, mais il n'élit jamais les dirigeants politiques de son choix. D'où les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui lors de nos entretiens. Peut-on réellement parler d'élections démocratiques en République démocratique du Congo? Peut-on prétendre résoudre la crise qui sévit en République démocratique du Congo depuis plus de deux décennies par des simulacres d'élections? A-t-on déjà posé la vraie problématique de cette crise congolaise au niveau de la communauté internationale? Qui sont ces récidivistes qui fraudent chaque fois les élections en République démocratique du Congo? Ne les a-t-on pas encore identifiés? Pourquoi sont-ils impunis jusqu'ici, malgré les preuves qui abondent? Pourquoi en République démocratique du Congo, on punit simplement les corrompus et jamais les corrupteurs? Et que doit-on attendre cette fois-ci des graves irrégularités qui ont caractérisé les résultats des dernières élections du 30 décembre 2018? Voilà autant de questions que nos échanges d'aujourd'hui permettront de creuser, je l'espère. Mesdames, Messieurs, les dernières déclarations du cardinal Laurent Monsengwo Passigna devant le Sénat belge d'abord, ensuite à la tribune des grandes conférences catholiques de Bruxelles et enfin à travers les interviews qu'il a accordées aux médias belges au sujet des irrégularités des dernières élections en République démocratique du Congo, ces déclarations, disais-je, apportent un éclairage particulier sur la flagrance des irrégularités et des fraudes massives qui frappent toutes les élections organisées jusqu'ici en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, pour la toute première fois, l'Église catholique romaine, qui a déployé 40 000 observateurs formés, a déclaré urbi et orbi que le candidat nommé président de la République par Joseph Kabila n'est pas celui que le peuple congolais a élu. Dès lors, quelle sera la suite?
la communauté internationale va-t-elle cautionner un coup d'État contre la démocratie ou va-t-elle accepter une démocratie au rabais pour les Congolais? Quelles consignes les leaders politiques doivent-ils donner au peuple dont la colère monte chaque jour à travers tout le Congo? Jusqu'à quand continuera-t-on à mentir à ce peuple? Napoléon Bonaparte avait dit « Le mensonge n'est bon à rien, parce qu'il ne trompe qu'une seule fois. » Malheureusement, au Congo, le mensonge a déjà trompé plus de 3 fois. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce jour pour procéder à une sorte de critique sur tout ce qui a été fait jusqu'ici et pour nous interroger pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici. Winston Churchill a dit « La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour un corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. » Mesdames, Messieurs, je souhaite donc de tout mon cœur que les échanges et les critiques que vous allez formuler bientôt puissent avoir dans ce haut lieu de la démocratie française puisse attirer l'attention du peuple français et des dirigeants politiques de ce pays sur le drame socio-sécuritaire qui menace l'existence même de notre pays en tant qu'État. Puissent vos échanges attirer enfin l'attention des dirigeants politiques français sur la part de responsabilité qui revient à la France à l'égard de la République démocratique du Congo, qui est, pour le moment, le plus grand pays francophone au monde. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous souhaite un bon et fructueux débat et je vous remercie pour votre attention.